tolobelavie.com. www.tolobelavie.com. tolobelavie.com. www.tolobelavie.com. Voilà. Bienvenue dans votre site Tolobelavie officiel. Merci de votre fidélité. Un grand merci à l'équipe de Bissonio Soya Tolobelavie. Merci à Washington, le grand pays. Merci à Alvaro Mwanza, le prince de la paix. Merci encore à Eric Shimanoka. Bon séjour à notre réalisateur Steve Malungwene depuis l'Afrique du Sud. Voilà. Merci à Bissonio Soya pour disposer de votre temps et à Colanda Bisso. Je crois que vous prenez une bonne part. Comprenez tout le bien la vie, ça bien. Ce qui n'est pas comment abonner la bisauté, c'est facile. Ok, kaka na YouTube, vous tapez tout le bien la vie officiel. Je crois qu'on peut avoir accès au yo et que ça la queue aux s'abonner pour comment. Camarade ndeko na biso na tolobela vie. Donc welcome na batu nyonso oyo boku s'abonner, welcome na bino tozuze na bino parce que ba information ya mboka, ba information, ba différentes informations partout tozuze na bino pour na bozala informé. Voilà. Merci encore une fois na batu baza déjà abonné na biso. Merci à vous. Vous partagez l'émission, vous partagez. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous toujours dit que vous avez dit que vous avez dit. Voilà. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit quelques images auto proposé dit que vous intervention à Jean-Marc Kabund Kabund parce que vous avez accusé qui est. Alors, parce que tout le monde qui est un combattant, il y a des pèses par le biais. Il y a une confiance qui est cadre de mon côté. Mais tout le monde est Jean-Marc Kabund Kabund a salué ma déclaration. Mokowana. Donc tout le monde est rapidement. Après, tout le monde est en train continuer. Intervention de la biais avant tout le monde est en train de faire rapidement. On est quand même histoire de bisous et ali par semaine à un moment dur de suite au travers un moment qu'on est quand je vous demande d'être serein et zalinga et moutouna et bisous bango basse à la bêtise en athée l'opi nazala qui n'a pas le awa jusqu'à 21h n'a pas si bango par instruction mais bisous bango yo fulani fulani de convoquer sénateur tel fulani fulani de convoquer sénateur tel. Responsabilité dans les années. Est-ce que nous sommes tout à fait contre la corruption? Vous vous imaginez que nous sommes bongo pour la contrôle pour la députée de la Bissau? Votre
esele makawa te. Na bisi bino ke na bengisaki bango. Na entretenir bango awa. Na pesi bango mise en garde. Na bisi bango ceux qui vont voter parce que le candidat sénateur n'a pas sauté, tu peux retirer le mandat. Parce que la constitution est lobby, ils ont le mandat à partir. Et donc on va salir, et donc on va salir, on va cracher dans la lutte de Beno. On va cracher dans le martyr, nous sommes partis. On va cracher dans la mémoire de Tien Tshisekedi. Donc, on va finir. Assemblée provinciale est convoquée plénière. Mais Erbo Kokendewana, les députés n'ont pas expliqué Bino. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Combattant Koufi, combattant Kangani, 37 ans de lutte, un individu, oh, et puis au salias à la députée, a craché la mémoire à combattant. Voilà, je crois, Bolandi Binomoko, voyez qui déclaration, il y a Jean-Marc Kabund ou Akabund, Ndenge à lobby. Lobby, Félix Tshisekedi, président de la République, entretenant qui n'a pas militaire, n'a pas mila, n'a pas soldat. Alors, tu proposes bien déjà, Bolanda Yango. Comme ça, tu as besoin de moi, je vais te moi, parce que tu vois déjà que je suis Jean-Marc Kabunda Lobby. Donc, parce que tu as combattu les deux pèses pour le bâti, Jean-Marc Kabunda Pèse à la Kina Makambouana. Il y a un fils qui a le bâti, tout ça, sous la confiance à ta, il y a cadre qui a été pèse. Donc, Jean-Marc Kabunda Sali. Déclaration wana. Donc voilà. Quelque part, bateau basali wana, bateau basali makamwana, basali bousoni moro ya bousaganati. Ils sont insupportables. Mais, quelque part, politique est aussi dans la politique. Moi, tout qui n'a pas eu le mou, les athées, toi, on a eu le coup, rapidement, après, et tokozonga, parce que déjà, on a rappelé Bino que. On dirait des toyoki déjà dans la source il y a 4 comme quoi combo il y a premier ministre c'est à dire Joseph Kabila alinga dévoilé déjà déjà combo déjà soupçon c'est bimi alors toko panza yango awa na mpoke auto lito panza na bine longo awa donc restez connectés to la ndeloko yo bongo tozonga to continuer formation. Évidemment, vous savez que le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, est totalement préoccupé par tout ce qui se passe en ce qui concerne la gestion des ressources militaires. C'est à ce titre qu'il a accepté de présider pour une deuxième fois aujourd'hui, en 2 mois, la deuxième réunion du haut commandement militaire, qui a comporté 3 points. Le premier point était axé sur la situation sécuritaire à ce sujet. Le chef d'état-major général a fait un état des lieux de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national et notre armée se comporte très bien pour protéger la population, c'est bien, mais également l'intégrité territoriale. En deuxième point, c'est la recommandation, des recommandations faites par la plus haute autorité au commandement des forces armées. Un, le chef de l'État est revenu sur la discipline qui est la mère des armées. Il a demandé à tout le haut commandement d'être discipliné et de veiller à la discipline dans la gestion des hommes et des ressources. Et en dernier lieu, le chef de l'État a promis son accompagnement, comme au cours de la première réunion, accompagnement en termes d'amélioration des conditions des militaires, accompagnement en termes de l'image de l'armée qui doit devenir la meilleure, la bonne image, mais également la plus grande armée d'Afrique. Voilà en quoi consistait
la réunion du haut commandement de ce jour. Exactement autour du chef de l'État, d'abord le haut commandement militaire, élargi à l'inspecteur général de forces armées, à l'auditeur général, au premier président de la haute cour, au chef d'état-major général, bref, tous les membres du haut commandement militaire, ils sont 21 au total, selon la constitution, auquel on a ajouté l'inspecteur général des forces armées, les membres des cours et tribunaux militaires, notamment l'auditeur général et le premier président de la haute cour, les aumôniers, et tout ce personnel, tous ces grands responsables militaires étaient présents au cours de cette réunion, convoqué et présidé personnellement par le chef de l'État et le commandant suprême. Évidemment, vous savez que le chef... Voilà. Je crois que vous donc, Félix Tshisekedi, avant qu'il entretienne na Bambila, na ba soldat et un pico, je crois, Boyoki contre-rendit à ma soldat na Bango. Tous ont continué malembe parce que tous ont moment makambo to koloba avant wana mais to linga to laksabino na nous oyo et singeli boyeba donc boyeba déjà que de qu'on a biso rapidement de qu'on a biso Franck Diongo hein na minute oyo a beta ki tour yemoko azo ki initiative wana donc a benga ki moi quelques combattants, il y a IDPS, donc finalement Franck Diongo a rendu hommage à Étienne Tshisekedi. Donc l'opposant Franck Diongo s'est rendu ce mercredi 20 mars au siège de l'IDPS dans la commune de Limété à Kinshasa pour rendre hommage à Étienne Tshisekedi. Accompagné de nombreux militants de l'IDPS et de quelques cadres du mouvement lumumbiste progressiste MLP, Franck Diongo s'est rendu à la résidence privée d'Étienne Tshisekedi où il a déposé un bouquet de fleurs. Donc, Bobike, Franck Diongo, Azamutu Oyo Alingaki, papa Étienne Tshisekedi Mingi, donc Yangoana, a décidé qu'il a dit non, il faut nakende kotika bouquet de fleurs nangai pour mon collègue Bosolé Rabimaki. Et puis ça qui moi mbilinga na ba combattant de peste parce que wana zaki batu bazuli la norme makamususu batu bana méchant makamususu mbala moko Franck Diongo abi maono akinde kuna en tout cas ba telemela kiye ba lobi non alors bima ki on dirait ça qui pendant moi bienté mais bon enfin Franck Diongo lelo a aussi ko déposer bouquet de fleurs naye. Et pas il y a une résidence privée, il y a papa Nabiso Étienne Tshisekedi Wamulumba Oyo Atika Biso depuis moi Mikolo Bele hein Atika Biso donc Franck Diongo a sali quand même ndenge basalaka donc voilà vos mes ali les recommandations moko il y a kitoko makasi voilà donc au bozomona comme na ye Luji Gizenga. Actuellement, Moto a remplacé Papa Naé, donc Père Adaé. Moi, on a récupéré ma solo dans la minute. Yo. Tata Oboza Gumona, Yende Moutaza à la tête. Il y a Palou. Hein? Donc, Yende Siko Moutasimbi, Palou na minute. Yo. Donc, Oboi, Osali Oyo Li Ousala. Mais la minute, yo, Isaac, frère Nabiso Oyo, Papa Nabiso Oyo, Luji Gizenga. Yende Moutou, la minute a succédé Papa Naé, comme son père ne plus, Papa Naé, donc maintenant, Yende Moutou, Asimbi Masolo, donc voilà. Il y a un moment de ce que tu as dit, parce que tu as dit 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 que tu as remplaçant valable, il y a Papa Yandi Kaka, Yandi V, vient de Bissouana. Moutazo remplacé valablement. Yéwana donc yéndependant Moutaza Sikoyo en tête. Ya Masolo Nyo Soutou. Voilà. Toloba ki toza la moi. Ba information. Fa to pe Sabino. To kende boye. Malembe. To sa la boye. Donc. Yé. Je crois boye biye. Kalev Moutong. Na minute yo. Aza remplacé. Na.
Justin Injun Kakiat. Justin Injun Kakiat, yeyo, bon, on a déjà. Voilà. Yende Moutou a remplacé Kalev Moutong. Donc, le président de la République démocratique du Congo a procédé mardi 19 dernier à la nomination des nouveaux dirigeants à la tête de l'Agence nationale des renseignements, ANER. À la tête de ses services de sécurité depuis 8 ans, donc depuis 2011 à 2019, Kalev Mouton, administrateur général, est remplacé par Justin Injun Kakiat. Jusqu'avant sa promotion, le nouveau patron de l'Agence nationale des renseignements était adjoint de Kalev Moutong. Tout ce qu'on a voilà, tout mes kakosolamouké. Donc, pourquoi choix il y a Justin Injun Oyo Kakiat? Balobi, monsieur Justin, il a travaillé avec Kalev Moutong pendant plusieurs années. Yébé a yébi ba sekele. Rappelez-vous que tant que Félix Tshisekedi a eu le pouvoir, a déclaré que Akokanga ba prison. Ba prison, c'est-à-dire Anel Baza ba prison, so ba kangyo kuna orotikomo na nesuti. Aner. Oyo ba tulukola ba Kalev. Donc, ce sont des sanguinaires au Bazana Makila Batu Bele. Mais, nous avons dit que Justin Oyope, c'est-à-dire, on va travailler dans le joint Nayote sans pour autant Makambo Yuzu Sala, Yaye Bayamo. Rappelez-vous que Félix Tshisekedi a nommé qui, donc, quatre dirigeants de la mer. Moutaza Sikoyo, directeur général et ANER, je crois, Bomonie, comme on a dit, Justin Injun Kakiat. Tout ça, bien, tant de choses sont là, Bomona Kaye, tant de choses sont là. Voilà. Donc, ces messieurs, Yazala qui vise pendant plusieurs des années de Tolobi, voilà, à côté, il y a Kalev Mouton. Donc, Makamounio, son Kalev a sali, il y a Yébiyam. Tout ça pour parler que lobby quelque chose à ma bé et y est là, Félix Tshisekedi. Mais Félix Tshisekedi a mopé Aza Zobati. Aza Zobati. Félix Tshisekedi n'a minute au net au sol abino. Azongi si. C'est-à-dire, à l'homme de Kalev, Azu vis naye ati. Ce que ma question est comme tout dans mes belles. Pourquoi n'est pas Félix Aponou Moutoumoussousou, Batouana tout, parce que Batou tout faut quand même fallait bah, passer au jugement. Mais bon, il y a eu pourquoi Aponi Ndengewana, donc Aza Zobate, a eu pourquoi Aponi frère to congolais Nabiso Oyo, Nakombo ya Justin. Voilà, donc Tokota la Makambango. Ok, dans la minute, je vais vous Kalev Moutong, Azali Soussou, na tête ya NRT, balongo lié parce que faut quand même peut changer dans moi tout bata la comment Makambo et Koki ko évoluer na niveau wana. Voilà. Diomine Dongala, va qu'on libère, Diomine Dongala, Akangama, Diomine Dongala, Diomine Dongala. Bon, bah que na minute yo. Diomine Dongala Azali na Azui Babanine Azui Liberté. Mais Liberté Yango Babengi Yango conditionnel. Donc le ministre Tambo Mwamba vient de signer l'arrêté portant mesure de libération conditionnelle de Diomine Dongala. Conditionnel. Bah, libérer
mais avec des conditions. Donc, jusqu'en 2023, Diomi Ndongala interdit de se livrer à des déclarations politiques. Jusqu'à 2023. Aza dernier de Moutakanaï. Donc, le ministre, vous que a libéré Diomi Ndongala, a signé lettre que Diomi Ndongala bima, mais avec des conditions. Après si bas conditions. Oyo, Eza Makambu, il faut tolobe la gayango. Donc, vous voyez que Eugène Diomi Ndongala, le ministre, yo, aza libre, mais liberté yango, c'est avec des conditions. O tambe mwamba, yemoko alobi. Maintenant, au moment que on dirait, bazana on a besoin, azana a besoin que tu libères Diomi Ndongala. Pourquoi on a eu que Diomi Ndongala fallait venir, aller venir vungouler. Fallait venir vungouler. Mais bon, voilà. Le lot quand même, Diomi Ndongala, aza a eu libération, mais bah bengi libération go, aza liberté moko, ça dit aza libération moko. Na ba condition, c'est bien la kati. Donc voilà, ba condition wana tomeka ko tangela bino moi mususu pona ba tuba meka un peu ko comprendre. Donc pour la rappel boye ba que jeune Diomi Ndongala avait été condamné le 26 mars 2014 par la Cour suprême de justice à 10 ans de servitude pénale. Bah arrêté Bimi, que Diomi Ndongala a déjà ne va en akoki jamais Kobima. Akoki jamais kokende même côté aéroport ou côté à beach. Voilà. Donc, Aza au moins na ba condition ebele. Et puis, Aza na 500 mètres. Il y a une école à ma fille. Ako yuko tcha même, c'est-à-dire qu'on l'est quand même côté wanate. Diomi Ndongala. Donc, Tambo Mwamba a signé libération na ye, mais libération moko avec des conditions oyo. S'occuper au lieu de dire tétam sous au courant de ma condition na te, mais Diomi Ndongala Aza obligé à quoi condition on a parce que ou vend dans la boloko ou bima. Donc voilà. Ok. Encore pour tous ceux qui sont intervention la biso. Tout le gâteau la sabino. Voilà. Bon imbissement moke. Bon imbissement moke. Voilà. Voilà. Tata ou vous avez comme on a yé Albert Yuma. Balobi Albert Yuma yende le favori de Joseph Kabila pour la primature. Des sources concordantes dans l'entourage de Félix Tshisekedi ont confié, parce que l'information sur qui est la politico comme on a dit, bah confié qui na site otoza politico.cd que l'actuel patron de la Gécamines serait le favori désigné de l'ex-président Joseph Kabila pour le poste de premier ministre. Voilà. Donc, la minute sur Yoboué Bakye, ma source n'est pas le baga, Maï et Ninganara Pambate. Ce qui Maï et Ningani, c'est que il y a quelque chose oyo et quoi pour ça dit pour faire bouger l'eau donc mai ninganaka kaka nengwana mai ninganaka bongoti. Alors boye ba déjà kende to lobi wana donc tato bosa komona yende
Alobi azomo nana déjà qui a favori pour la primature. Donc Mutoyo Joseph Kabila a co-présenté Batou. Et donc voilà. Information en Gouana pour tous ceux qui ça tête à tête Salamaki. Voilà les cas là moi déjà Salamaki. Donc près de deux mois après sa prestation de serment, Félix Tshisekedi n'a toujours pas de premier ministre ni de gouvernement. Le nouveau président qui est désormais en bras de fer avec la majorité issue de l'ancien pouvoir tente néanmoins d'avancer. Malgré Mamakambouana Nyo Sommet, quand même, Azako a avancé parce qu'il y a des nominations et au Salama. Donc, les tractations continuent. Les dossiers du Sénat ou encore celui de l'élection des gouverneurs n'empiètent pas à la formation du gouvernement. Donc, Makambo Nyoso Salamio, Yangon était éco-freiné, bloqué processus pour Nato Kende, na Babimi sa premier ministre. Donc, Walezali Zalaki, membre Moko, c'est-à-dire Moutoumou ya Kati, rassuré proche du président congolais. Ne makamwane bimi donc ils ont ngo mutango abwe pe kubiloba kombo ne me bimi de bimi na kati. Au sujet du nom du prochain premier ministre, la même source annonce le nom de d'Albert Yuma dont le nom aurait été communiqué par Joseph Kabila, leader de la grande majorité parlementaire du Front commun pour le Congo FCC. Donc, le nom d'Albert Yuma a été communiqué au président Tshisekedi par le président Joseph Kabila par la primature aux côtés d'autres noms. Mais le favori, c'est lui, Yuma. Jusque-là, Toza Kozela, Tomona, Makambango, Ekoleka. Lolenge nini. Donc, vous voyez que Albert Yuma na minitoyo yende mutu azoza lokola yende mutu azala lokola favori ya Joseph Kabila balobi mai pe ninga na kapamba tendenge mai ninga ni boye. Donc, vous voyez que na minitoyo Félix Tshisekedi alobi malgré kobenda na bango malgré bakanda bazala nango parce que na minitoyo Singeza ben attendu donc oazo benda kuto ba graissement dedans les ali mais yango ndete e ko empêcher processus ya koluka premier ministre donc c'est à dire makamwana pour yango premier ministre tikal nonga ndengwana ndenge balobaki voilà merci bandeko nyoso bolandi biso encore une fois tout petit bino merci souci la biso ezali tout informa kabino bo chaque fois donc un grand merci à vous. Restez connectés à tout le bel avis. Tokutana, nde tokutanaka, na soir, potomeka, qu'on pense encore un poké. Donc, d'ici là, portez-vous bien, nde tolobaka, qu'on bosse à la tête, bosse s'abonner encore et belé, ok, na YouTube, au petit tout le bel avis officiel, et qu'on puisse avoir accès, je crois, ceux qui ont s'abonné, et qu'on a la malam ou mink. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés. Tokutana, na 21h. N'est au salaka, bah direct ma bisou. Merci beaucoup. Com. TOLOBELAVIE.com. www.tolobelavie.com.